Des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présenté par Keun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette reprise en douceur de la saison et bienvenue pour la reprise du Sainté Night Club, la 101ème émission ce soir. Vous le savez, le premier match de la saison c'est ce samedi 5 août à 15h, mais on voulait faire une émission avant la reprise officielle pour pouvoir parler de l'intersaison. Elle a certes été moins animée que l'été dernier, heureusement quand même, mais il y a pas mal de choses à dire. Ce soir, on va faire le point sur ce qu'on a pu voir sportivement de la préparation, bien que le dernier match contre Montpellier ait été annulé. On va évidemment faire une grosse partie sur les sujets chauds du mercato. On parlera de ce fameux premier match contre Grenoble. Et puis, on terminera l'émission par une petite nouveauté qui, je pense, devrait vous plaire. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Cette saison, on l'espère toutes et tous, peut nous apporter de la joie. En tout cas, il y a de l'espoir. Il n'y a qu'à voir la bonne campagne d'abonnement au stade. C'est la deuxième saison de Batless à la tête de l'effectif, la fin de saison dernière a été encourageante, alors espérons que samedi, les retrouvailles avec Vincent Ognon ne nous tirent pas des larmes. Par contre, je dois vous prévenir, pour cette reprise, les chroniqueurs du SNC n'ont pas pu partir en stage de cohésion, donc certes, on a évité l'épidémie de gastro, mais je vous garantis pas une cohésion exemplaire. En revanche, je vous promets des analyses fines, des doutes, de l'espoir, du rire, et au final, tout ce qui fait notre vie de supporter. Pour répondre à cette promesse, je me suis entouré de la crème de la crème et j'accueille donc Joss Randall. Bonsoir Joss. Salut Keun, bonsoir à tous et à toutes. Comment vas-tu ? Je vais très bien, impatient que la saison commence. Comme chaque début de saison, on est porté par des espoirs, par plein de choses. En espérant que cet espoir soit pas douché aussi rapidement que l'année dernière. Voilà, c'est l'éternel recommencement et on va essayer d'être positif pour ce début de saison. Tout à fait, comme à toute intersaison, l'espoir renaît et on ne parle pas de l'ex-mari de Céline Dion. Avec nous également un autre taulier du SNC que j'ai grand plaisir à retrouver, El Grande Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Keun, écoute, je suis ravi de reprendre cette saison, je vois qu'en plus monsieur a investi, petit maillot bien soigné. Voilà, je suis ravi de le faire avec Joss également, comme l'a justement dit mon aîné, on est excité par cette nouvelle saison parce que forcément elle suscite de l'espoir, mais j'espère qu'elle sera positive autant qu'on l'espère parce que c'est pas gagné à 300%. Elle suscite, t'as dit ? Voilà, on commence la saison avec une énorme blague de beauf. La première. Oui, alors non, j'ai investi, malheureusement non, c'est le maillot de la saison dernière. J'aime beaucoup les nouveaux maillots de cette saison. On n'a pas prévu d'en parler spécialement, mais tiens, dites-moi dans le chat vite fait ce que vous pensez des nouveaux maillots, notamment du Third qui moi me plaît beaucoup perso, mais ça fait trop cher d'acheter un maillot chaque saison, donc non, c'est le maillot de la saison dernière malheureusement. Et puis enfin, celui qui va être encore une fois le plus gros bosseur de la saison, sans malheureusement en récolter les lauriers qu'il mérite, l'homme à la voix suave et à la démarche chaloupée, Carlusso le Twito. Bonsoir Carl. Carlusso le Twito, tout avait bien si bien commencé, putain. Bonsoir Keun, bonsoir le chat, bonsoir Sylvain et bonsoir Joss. Tu parlais d'un esprit de cohésion qui manquait. Oui. Je suis 100% d'accord avec toi parce que je peux déjà plus me voir Joss alors que c'est la première de la saison. Oui, et puis c'est la première de la saison et ça fait 4 minutes qu'on a commencé. Hein. Mais moi aussi, perso, j'en ai déjà. Mais personne ne te croit, mon Carl. Tout le monde sait que tu m'aimes. Et moi, je suis très content de faire une émission aussi avec mon gamin Sylvain, parce que c'est pas arrivé souvent la saison dernière. Donc je suis très content de ça. Mais c'est peut-être pour ça que ça a bien marché la saison dernière. C'est parce qu'on était peut-être ensemble. Aussi, peut-être aussi, peut-être aussi. À voir. Bon, et bien messieurs, sur ce, on a un gros programme aujourd'hui, donc je vous propose qu'on passe tout de suite au débrief de cette première partie d'intersaison, enfin le débrief de cette intersaison, bref, c'est parti. Active Sainté Night Club, le débrief.
Alors, messieurs, on va lancer le petit diaporama avec les petites photos de préparation. Pour rappel, donc, s'il y a des gens, j'imagine que si vous êtes là, fidèles au rendez-vous du Saint-Etienne Night Club, vous avez suivi un petit peu les matchs de préparation, le stage à La Plagne, etc., etc. Mais quand même, petit rappel au cas où. On a fait un premier match contre l'UNFP qui a été remporté 5-2 contre les jeunes. On a fait une défaite contre Grenoble 1 à 2, on a gagné 3-0 contre Dijon, on a gagné 2-0 contre Clermont, on a encore gagné 3-2 contre Annecy et le match contre Montpellier qui était prévu a été annulé pour cause de diarrhée. On va commencer et je vais te donner la parole tout de suite, Sylvain. On va faire à peu près 10 minutes sur cette prépa. Est-ce que tu pourrais nous citer un premier bon point que tu retiens de cette préparation? Le premier bon point, c'est qu'on marque des buts. Ça, Ouais. c'était déjà le cas la saison dernière et a priori, ce sera toujours le cas malgré le départ de Jean-Philippe Crasso. On marque des buts. On a quand même, malgré tout, un secteur offensif qui est grandement remanié puisqu'on n'a toujours pas vu Nkunku et c'est fort probable qu'on ne le revoie plus. Et on a JP Crasso qui n'est plus là. Donc, malgré ça, on est efficace offensivement, on marque des buts. Bon, contre l'UNFP, c'est peut-être un peu anecdotique, mais contre Clermont, contre Annecy même, qui pourrait potentiellement intégrer le championnat, hein, au regard des dernières nouvelles, ça sera Sochaux ou Annecy. Voilà, c'est des confrontations qui sont intéressantes et qui permettent quand même de se jauger sur le niveau actuel. Et voilà, si je devais, parce que tu m'en as demandé qu'un seul, hein, si Pour je l'instant. devais évoquer un bon point, c'est l'aspect offensif qui fonctionne bien, qui fonctionne toujours bien, dirais-je. Karl vous a mis un petit sondage dans le chat, votre sentiment rapide après cette prépa estivale, inquiet, confiant, séduit, j'attends de voir, vous avez dit prépa. Voilà, donc n'hésitez pas à voter et à développer directement dans le chat si vous avez des choses à dire. Je me tourne vers toi, Joss, est-ce que toi aussi t'es rassuré par l'attaque qui est toujours à son firmament, entre guillemets? Alors oui, je ne vais rien rajouter à ce qu'a dit Sylvain, c'est probablement ce qu'il y a à retenir de plus intéressant, mais ce qu'il y a à retenir de cette prépa avant les points positifs, les points négatifs, c'est plutôt le constat qu'elle a été un peu particulière, un peu tronquée. Et moi, je suis un peu dans l'inconnu. Moi, j'ai surtout regardé à partir de Grenoble, les trois derniers. Le sentiment est mitigé. J'ai vu un match pas terrible contre Grenoble. J'ai vu un très bon match, en tout cas très bonne mi-temps contre Clermont, et un match relativement moyen contre Annecy. À chaque fois, les enseignements à tirer. J'ai vu aussi des états de forme assez inégaux. J'ai trouvé un Wadji, par exemple, très affûté, Ouais. ce qui n'est pas forcément le cas d'un Mikel Nadé, par exemple, en prenant un peu des extrêmes. Mais le fait qu'elle ait été un peu écourtée, qu'il y a eu quelques soucis à La Plagne, qu'il y a eu de la gastro, etc., c'est pas que ça m'inquiète, mais ça m'interroge sur déjà quelle équipe va démarrer samedi et dans quel état. Mais globalement, si je devais donner un indice de tendance, je serais plutôt positif que négatif. Voilà. Ok. On parlera évidemment hein, de l'équipe que vous voyez débuter samedi contre Grenoble dans la deuxième partie de l'émission. Sylvain, je reviens vers toi. En termes d'individualité, qui a le mieux tiré selon toi son épingle du jeu dans cette préparation? Bah, il y a plusieurs joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu de façon différente. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est ceux qui arrivent avec un bon état de forme et qui sont considérés comme des cadres, pour pas dire des titulaires en puissance dans cette équipe. Je pense notamment à Ibrahima Wadji. J'ai beaucoup aimé aussi ce que Lamine Fomba propose depuis le début de la préparation. Je le trouve en jambes, je le trouve affûté, je le trouve juste techniquement. Donc voilà, je trouve que ces deux garçons-là montrent des visages séduisants en tant que cadre de l'effectif. Et après, il y a aussi ceux qui se montrent positivement et qu'on attendait peut-être moins, notamment évidemment Karim Cissé, qui est un peu
un peu la révélation de cette préparation qui, je pense, a gagné sa place dans le groupe pour ce week-end. Voilà. Et puis, on a malgré tout d'autres jeunes qui sont intéressants. Cherfal montre des choses intéressantes. Amougou, de son jeune âge, montre qu'il ne sera pas dans le groupe forcément, mais qu'il aspire à terme à l'être dans les années à venir et qu'il a le niveau pour l'être. Voilà, maintenant, chacun se distingue à sa façon, mais je trouve que globalement c'est intéressant ce qui est proposé, notamment sur l'animation offensive. J'aime bien parce que j'ai l'impression qu'on peut marquer des buts régulièrement et avec plusieurs joueurs et que le danger peut venir de plusieurs endroits. Donc ça me plaît. Joss, je vais afficher pour les gens dans le chat et pour toi si tu es sur le live aussi, les temps de jeu pendant cette préparation. C'est dominé par Wadji et par Gauthier qui sont à 203 minutes de jeu joué, suivi de près par Rivera avec 202 minutes de jeu. Est-ce que toi, si tu nous as parlé de Wadji tout à l'heure, en termes d'individualité, par exemple chez les jeunes, Sylvain nous a parlé d'Amougou, de Karim Cissé, est-ce que il y a des noms qui te viennent, toi, directement? Alors, je ne pourrais pas nous remettre trop souvent, finalement, avec Sylvain, parce que je crois qu'on est un peu d'accord sur tout le temps. Donc, ça ne fait pas trop avancer le débat. J'ai la même analyse que lui. Alors, parmi les confirmés, j'ai aimé vraiment Wadji. Je trouvais qu'il était vraiment très en avance sur tout le monde en termes d'état de forme. Fomba, j'ai bien aimé aussi, mais on en a parlé par ailleurs avec Sylvain, peut-être un petit peu moins, enfin, j'ai plus de doutes. J'ai bien aimé aussi mon conduit en défense centrale, ça c'est un autre sujet sur les différentes animations possibles. Et parmi On va les jeunes, ouvrir le oui. sujet du défenseur central, je pense, mon Joss, parce que je pense qu'il y a matière à parler, je pense. Ouais, ah oui, très certainement, ça va être un gros débat. Et puis sinon chez les jeunes évidemment Cissé, moi j'ai beaucoup aimé Amougou, vraiment ce gamin-là il a quelque chose, beaucoup moins séduit. J'ai aimé aussi Fall, un degré peut-être un peu moins, beaucoup moins séduit par Léry, par Dieye, voilà, qui m'ont pas convaincu. Et puis une petite mention quand même pour les quelques minutes de notre ami Sissoko, qui a probablement 5 kilos de trop, mais qui à mon avis est un mec très intéressant, très intéressant. Qui a marqué d'ailleurs on a pas, pour son premier match, Ouais, un but de 9 en plus. On n'a pas eu l'occasion vraiment de voir l'association avec Wadji, mais je pense que ça peut marcher. Ouais. Donc pour rejoindre l'analyse qui a été faite par Sylvain, qui est très juste, c'est rassurant sur le plan offensif, parce qu'on avait des questions quand même avec le départ de Crasso. Crasso qui a planté un doublé pour son premier match dans son nouveau club, hein, on le rappelle. Eh bien, tant mieux pour lui. Ouais. C'est pas rassurant, en revanche, sur le plan défensif, puisque, hormis le match contre Clermont, on continue de prendre nos deux buts syndicaux par match. Sauf que, défensivement, il y a encore des possibilités qu'on n'a pas vues, et que je pense que ça peut s'améliorer. Donc, si on arrive à être meilleur défensivement et à rester bon offensivement, on devrait faire une meilleure saison que l'année dernière. Ouais. Je vois dans le chat quelqu'un qui demande c'est quand le point mercato, on en parle très très vite, ça va être la plus grosse partie de l'émission. Karl, justement dans le chat, les points positifs de cette préparation, quels sont-ils, ceux qui ressortent, et quel a été le résultat de ton petit sondage sur l'état d'esprit des supporters? Bah écoute, l'état d'esprit des supporters, c'est plutôt de dire une prépa c'est bien, mais la vérité du championnat n'est pas celle d'une préparation. C'est grosso modo ce qui ressort du chat. Il y a Albert qui nous dit le premier bon point est sûrement le seul, et peut-être le seul, c'est Karim Cissé, dont a parlé Sylvain. Il y a Céline qui dit dommage de ne pas avoir vu jouer l'équipe type. Les milieux de terrain qui se retrouvent à jouer défenseur prouvent qu'il faut vraiment recruter derrière. Les frayeurs que provoquent Nadé et Dreyer, mon Dieu. Par contre, les jeunes Cissé à Mogou sont vraiment superbes. David qui rejoint un peu l'avis de Joss en disant que Wadji est affûté, il finira meilleur buteur, selon lui, il prend le pari. Il y a Jus 43 qui, au contraire, dit qu'il est vraiment inquiet avec la préparation. Encore 2 buts encaissés par match et pas grand-chose à se mettre sous la dent. Jérémy Magique qui résume un petit peu la vie du staff, du coup, en disant « La prépa n'a aucun intérêt pour juger des joueurs. La compétition, il n'y a que ça qui compte. Nous verrons contre Grenoble. » Et sinon, en termes d'individualité, tout le monde a parlé de Karim Cissé. Nadé n'est pas concerné pour fan santé. Tommy qui nous dit « Flop, les gestes barrières. » David nous dit « Amoukou, ça promet, mais très jeune, attention. » Et puis il y a Hervé qu'on salue, qui nous prend les paris aussi, qui nous dit que Wadji meilleur buteur de Ligue 2, ça aura été dit ici. Voilà. Karl, vous m'avez entendu, c'est bon? Oui, t'es devenu papa?
Non, c'est pas moi, c'est quelqu'un Ah, c'est d'autre. chez Sylvain! Un peu Pardon. jeune, moi. Allez, excusez-moi. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Ok, bon, et ben, du coup, ça nous fait une transition parfaite puisque tu as évoqué aussi quelques points négatifs. Tu as parlé de Nadé, de Dreyer, tout ça. Joss, Sylvain, si vos doutes, donc vous aussi, sont plutôt sur l'aspect défensif? Ben oui, là Forcément, ouais. pour l'instant, oui. Là, de sur ce qu'on a vu, ça n'a pas progressé beaucoup par rapport à l'année dernière. Après, bon, on attend. Alors, il va se passer des choses derrière. Une recrue qu'on n'a pas encore vue. Il va se passer quelque chose du côté des Pistons, notamment à gauche. Donc, pour répondre à une des questions qui a été posée dans le chat, c'est dommage de ne pas avoir vu l'équipe type, mais pour l'instant, on n'a pas d'équipe. Enfin, on n'a pas l'ensemble de l'effectif pour faire une équipe type. Et les matchs de prépa, c'est aussi fait pour voir un maximum de joueurs, pour savoir sur qui tu peux compter. Donc, à ce titre-là, je trouve qu'elle a été plutôt bien menée. Après, effectivement, il y a du taf au niveau de la défense. Alors, je sais que mon ami Sylvain a plein d'idées là-dessus. Je vais lui donner la parole tout de suite, mais il y a des réflexions à mener. Et ça commence pour samedi, puisque, une fois encore, la vraie interrogation, principale sera sur l'animation des côtés. Si on reste dans ce système-là, on a un Cafaro qui ne me convainc toujours pas, moi, en tant que piston. Et de l'autre côté, on n'a personne. Donc là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. On va en Qu'est-ce parler que tu en penses, justement là, Sylvain? de l'aspect mercato parce qu'effectivement tu parles du latéral gauche. Nkunku nous a fait une jolie sortie dans l'équipe, c'est ironique, cette semaine. Donc il va falloir le remplacer. On parle de Antoine Léauté, on en parlera juste après. Parmi les aspects un petit peu négatifs de cette préparation, Sylvain, il y a aussi l'annulation du match amical contre Montpellier. Est-ce que toi ça t'inquiète justement qu'on n'ait pas eu ce match de préparation supplémentaire qui était quand même assez important pour la mise en jambe et pour le rythme avant le début de la compétition. Bah forcément, ça reste problématique. Ça reste problématique. Maintenant, même en prenant un peu plus de recul sur cette préparation, il y a quand même pas mal de choses qui questionnent. Aller à la Plagne, faire un stage qui ensuite a causé apparemment une épidémie au sein de l'effectif, dans un endroit où finalement on respecte un partenariat, mais il n'y a pas de conditions pour nous accueillir sur des terrains convenables et qu'on fait une séance en 4 jours, ça questionne. Quand on voit qu'on peut pas aligner des joueurs qui vont disputer 90 minutes, plus de 45 pendant 4 matchs, ça questionne. Alors Laurent Batless s'est défendu de ça, hein. Il a dit qu'il était obligé de partager les temps de jeu, qu'ils essayaient de compenser via les séances, etc. Très bien, j'entends, mais il n'y a rien qui remplace la compétition, il n'y a rien qui remplace les temps de jeu au sein d'un match. Donc oui, c'est problématique. Sincèrement, c'est problématique. Et ça l'est encore plus dans le sens où Grenoble, lui, a joué 3 fois 45 minutes ce week-end, et leurs garçons, ils seront prêts physiquement. Donc voilà, en termes de qualité pure, je pense qu'on sera supérieur à Grenoble. En revanche, est-ce qu'on sera prêt à mener le combat qu'ils vont nous offrir? Ça questionne davantage. Et ça peut être problématique, d'autant plus que au regard du calendrier du mois d'août, sincèrement, sur les 4 matchs qui vont être joués, sincèrement, moi, je suis de ceux qui pensent qu'à moins de 8 points, ça sera un début raté. Ouais. Voilà, Rodez, Quevilly, Sochaux ou Annecy, on verra en fonction d'eux. Sur ces 12 matchs, si tu prends pas au moins 8 points, pour moi, je suis désolé, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Tu joues, à mon sens, sur les 4 équipes qu'on va affronter, tu joues aucune équipe qui va finir dans le top 5 de Ligue 1. De Ligue 2, pardon. Ouais. Donc Oui. à partir de là, faut prendre des points. Faut Je prendre des vous points. Et affiche. puis, Ouais, et, vas-y. Juste, je vous juste pour. affiche le programme, ouais, du mois d'août. Réception de Grenoble, donc ce samedi. Déplacement à Rodez la semaine d'après. Réception de Quevilly la semaine d'après. Et ensuite déplacement à Sochaux ou à Annecy. Oui, pardon, je te laisse finir. Voilà, juste pour finir sur ça, aujourd'hui, il va falloir très vite commencer ce championnat correctement. On a vu la saison dernière qu'en loupant notre entame, on s'est très vite tiré une balle dans le pied. On a eu très peu de mouvements jusque-là. On a un effectif qui est quasiment stable. On a des certitudes par rapport à la deuxième partie de saison. Donc on se doit d'être ambitieux. C'est nécessaire sur ce mois d'août d'être ambitieux parce qu'on n'a pas un effectif où on a la moitié des titulaires qui changent. C'est faux. À l'instant T, on n'a que Crasso qui est parti sur cette équipe titulaire. Donc on ne peut pas se permettre de dire on est dans l'inconnu de. Non. Mais par contre, est-ce que physiquement on sera au point? C'est ça qui m'interroge. Ouais.
Karl, quels sont les doutes exprimés par le chat? Ben écoute, il y a d'abord Albert qui nous dit l'aspect défensif est une énigme, puisque le trio défensif, puisque sera aligné contre Grenoble, n'aura jamais joué ensemble durant cette prépa. SNR qui nous pose la question, du coup, qui va jouer piston contre Grenoble? Donc ça pose un peu toutes les interrogations qui subsistent autour de l'équipe. Il y a Arthur Rutra qui nous dit j'attends le coup de génie de Perrin qui va nous sortir Trémoulinas de la retraite pour jouer à droite. J'aimais beaucoup Trémoulinas, mais bon, peut-être c'est pas la meilleure idée. Il y a David qui nous dit ce qui me fait peur, c'est qu'on commence le championnat avec des joueurs qui n'ont pas joué plus de 45 minutes par match, à part 4 joueurs. Gaël qui nous dit Kaffi et Gauthier pour les pistons, je mise une pièce là-dessus. Il y a Fan Santé qui dit que peut-être Capia va jouer piston gauche. Enfin, il y a pas mal d'hypothèses qui sortent. Temilano qui nous dit Cafaro piston, moi je trouve ça vraiment pas mal, surtout sur la deuxième partie de saison. Bon, ça débat pas mal autour des pistons. Il y a Albert qui nous dit Grenoble a joué 3 fois 45 minutes ce week-end, mais est reparti avec 3 blessés. Pas sûr que Oignon n'aurait pas préféré de ne pas jouer ce match-là finalement. Voilà. C'est vrai que vous l'avez vu passer sur l'extraordinaire site peuplevert.fr. Il y a une petite news qui est passée avec le fait que Grenoble soit reparti de son match amical avec plusieurs blessés, effectivement. On va parler mercato, messieurs. Et je viens vers toi, mon cher Joss. Est-ce que, dans l'ensemble, pour toi, le mercato est réussi pour l'instant? Dans l'ensemble. Après, on va Dans aborder l'ensemble, pour chaque point l'instant. séparément, bien sûr. Alors, si on prend en compte tout, hein, c'est-à-dire les départs et les arrivées, je dirais que pour l'instant, il est réussi, mais il est insuffisant. Ok. Les postes qui ont été pourvus, je pense que le ciblage est bon. Et je pense qu'on aura plutôt des bonnes surprises côté Sissoko et de ce que j'entends plutôt aussi du côté de Batoubensika. Enfin, s'habituer à dire ce nom-là. J'attendais que tu le prononces tout à l'heure, t'as dit un joueur. Ouais, je me suis lancé, je me suis lancé. C'est bien. Sachant que pour trouver un pseudo, ça va pas être simple, mais bon, on y travaille. C'est vrai que pour tes chroniques, Batoubensika, c'est pas un cadeau. On y travaille. Après, pour moi, enfin, on sait tous que Nkunku va partir. C'est plus un mystère. Donc, son remplacement va être un sujet. Moi, je pense toujours qu'il faut quelqu'un de l'autre côté aussi, ou en tout cas au moins peut-être un piston polyvalent qui pourrait jouer des deux côtés. Et là, je commencerai à me dire que ça commence à ressembler à quelque chose qui tient la route. Après, c'est toujours pareil, tout dépend de comment Laurent Batless imagine son animation pendant le plus gros de l'année. Voilà. Je pense que si on fait ces deux recrutements-là, on aura une équipe qui tiendra la route. Après, pour jouer quoi, ça c'est encore tôt pour le dire, mais qui tiendra la route. Tout en gardant en tête que ça veut dire qu'il y a une ossature qui a fait la saison dernière, qui a fait les 6 derniers mois, et comme le disait justement Sylvain, qui doit normalement surfer là-dessus et continuer à progresser là-dessus. Donc, ça devrait marcher. Maintenant, si Mercato s'arrête là, je pense qu'il sera insuffisant Ouais. et qu'on souffrira beaucoup derrière. Je vois Sylvain dans le chat que tu veux parler de la sortie de Loïc Perrin de cette semaine. Non mais enfin c'est assez rigolo quand même cette sortie qui est une communication et un enfumage, hein, je veux dire les termes total. On nous parle de superviser 40 championnats pour aller chercher Sissoko qu'ils ont probablement pas du tout envisagé jusqu'à que Sochaux tombe en ruine et que ça devienne une opportunité. En revanche, Batoubensika, voilà, il a avoué lui-même qu'il venait pas de l'outil qu'ils ont créé, mais de l'œil des recruteurs qui ont supervisé pendant 6 mois des joueurs. Voilà, moi, j'ai un peu de mal à croire qu'on va utiliser un outil qui répertorie 40 championnats pour aller chercher Léotey qui joue en Ligue 2, pour aller chercher Soumaré qui joue en Ligue 2, pour essayer de faire Livolan qui joue en Ligue 2, pour essayer de faire. En fait, tous les noms qu'on nous sort, c'est des garçons qu'on connaît et que vous et moi, on s'assied autour d'une table, on peut les envisager si on réfléchit un petit peu. Donc voilà, c'est un peu de la foutaise tout ça. Quoi qu'il en soit, ce mercato, il est cohérent jusque-là. Je trouve qu'il était nécessaire de rapidement remplacer Crasso parce qu'en cas de blessure de Wadji, on pouvait vite se retrouver dans une situation très inconfortable, étant Oui, donné qu'on marche sur Charbonnier, on ne des sait œufs pas où il avec. en est.
Voilà, exactement. On marche sur des œufs avec charbonnier. Et puis derrière, voilà, en œuf, c'est les riz. On voit sa préparation. C'est pas facile. Il a même été envoyé ce week-end avec la réserve pour faire le tournoi de Ploufragan. Donc voilà, c'est un signe que Laurent Batless ne compte pas s'appuyer sur lui. Et avec les prestations qu'il a fournies, c'est un peu logique. Donc en fait, c'était nécessaire et ça a été fait quand même assez rapidement avec Ibrahim Sissoko. Donc ça, c'est une bonne chose. L'arrivée de Batoubine Sika, j'ai l'impression qu'on a affaire à un garçon qui est quand même un leader. Il dégage quelque chose. Voilà, après, on va le découvrir un peu tous, hein. C'est difficile de se faire un avis sur des vidéos YouTube où on voit finalement souvent que le meilleur du personnage. Mais voilà, maintenant, évidemment que la clé de ce mercato, ça va être le fait de dégraisser. Parce qu'il y a certains joueurs qui malheureusement semblent ne plus avoir forcément d'avenir au sein de cette équipe. Je pense à Nadé, je pense qu'il y a des joueurs qu'il faut prêter, notamment je pense à un Mouton, je pense à un Saban. Voilà, c'est des garçons qui n'ont plus d'intérêt à aller jouer en N3. Ils sont bien trop supérieurs pour ce niveau, mais c'est encore difficile pour atteindre la Ligue 2. Donc il faut aussi envisager ces prêts-là. Et puis évidemment, il va y avoir le fait de remplacer Nkunku qui va être une des grandes. Des grands tests concernant la qualité de la cellule de recrutement. On parle d'un garçon qui a quand même métamorphosé le visage offensif de l'équipe la saison dernière en à peine 6 mois. Ouais. Malgré ses déclarations, malgré sa volonté absolue de partir, si on reste sur le sportif de la saison dernière, c'était une plus-value énorme. Oui. Donc voilà, il va falloir modeler tout ça, mais au 31 juillet, donc c'est-à-dire actuellement, l'état du mercato est intéressant. Moi, Ouais. je trouve que l'état du mercato est intéressant. Je vous ai affiché hein, le tableau récapitulatif du mercato pour le moment avec les départs et les arrivées. Karl, Joss et Sylvain ont parlé du remplacement de Nkunku qui, sans l'ombre d'un doute, devrait partir peut-être du côté de Francfort, mais en tout cas devrait partir quoi qu'il arrive. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le dossier Antoine Léauté? Nous dire où ça en est actuellement? Tu es mute, Alors, Karl. si tu veux, Karl, je peux le faire moi. Mais je savais pas que tu parlais à moi, donc vas-y, Sylvain, ouais. Ouais, Pardon. je peux faire ce point-là Ouais. avec grand plaisir parce qu'il se lit pas mal de choses. C'est assez compliqué de démêler le vrai du faux. Le dossier Léotey, il a été vraiment accéléré la semaine dernière, début de semaine dernière. La volonté du club était vraiment de le faire parce que. Malgré ce qu'on veut nous faire croire, le club est conscient qu'ils vont perdre Nielsen Nkunku, malgré la communication qui a été faite, que ce soit de la part de Perrin, de Batless ou même de Soucas. Ils sont conscients qu'ils ne pourront pas éternellement retenir Nkunku. Et Léoté a été envisagé. Un temps, on nous dit que c'est bien engagé, que le garçon veut venir, que. Que voilà, les clubs discutent le lendemain que l'entraîneur va absolument le conserver, l'entraîneur Omar Daff va absolument le conserver. En l'état des choses, nous, les informations qu'on a après que la semaine dernière on ait été très positif, c'est qu'on est plutôt pessimiste sur le dossier. Amiens est vraiment fermé pour le moment, Ok. pas du tout ouvert à la discussion. Et ce serait en l'état des choses, le club n'a pas totalement fermé le dossier, mais commence à envisager une autre option parce qu'il voit bien que Amiens ne discute pas. Ok. Donc, Et cette voilà autre l'état des option, choses. t'as une idée de ce que ça pourrait être ou pour l'instant on n'a pas d'infos? Rien, on a des noms, mais rien qu'on puisse vraiment confirmer au point de le dévoiler. Donc Ok. on préfère s'abstenir de dire des choses qui peut-être sont pas justes. Donc voilà, on essaye au maximum de, quand on sort quelque chose, d'être sécure sur ça. Et actuellement, si on a un sujet, on l'est pas. Donc Ouais. je préfère rien dire. Karl, du coup, je reviens vers toi. Dans le chat, j'ai vu que tu avais fait un petit sondage pour voir la satisfaction sur l'état actuel du mercato. Et est-ce que tu peux nous dire aussi ce que les gens nous disent sur les OT? Ok, et eh ben écoute, j'ai demandé à peu près de donner une note, de donner un peu une vision globale et d'ensemble de la vie des supporters, donc une note au mercato stéphanois, et c'est une majorité de gens qui mettent une note entre 4 et 6, entre 4 et 6 sur 10, donc ce qui veut dire, On attend de voir quoi. voilà, un mercato correct, mais sans plus quoi pour l'instant. Mais comme l'a dit Sylvain, il reste encore un mois de mercato et ça, enfin, il y a plein de dossiers qui peuvent bouger, notamment celui
de Nkunku et de son remplaçant, du coup. Et de Ignacio Ramirez, n'oublions pas. Ouais, et puis il faut pas oublier un truc quand même, c'est aussi qu'on est dans un club qui a une marge de manœuvre limitée. Je parle de moyens, et quand tu as une marge de manœuvre limitée, tu es obligé d'attendre aussi parfois, de faire des coups, d'attendre que ça se décante en fin de mercato. Et voilà. C'est pas la Ouais. même chose quand tu as des moyens importants où tu peux dégainer avant d'autres. Voilà, donc malheureusement, j'ai envie de dire, je pense qu'il se passera des choses sur la toute fin du mercato, très probablement. On a l'habitude. Et il y aura des, comme l'a dit Sylvain, il y aura déjà eu 4 matchs de jouer. Voilà. Soit 10% du championnat. Ok, donc moi, je reprends, du coup, je peux. Oui, vas-y. Bon, écoute, on nous parle de la communication un peu de poker menteur, mais au lieu de parler de Léoté, beaucoup de gens sont un peu amers vis-à-vis de Nkunku. Ouais. Il y a Toubi bar no Toubib qui nous dit que je ne vois pas Nkunku devenir un très bon joueur. Je trouve qu'il a eu un maximum de réussite dans ce qu'il a entrepris. Il a bénéficié du fait que personne ne le connaissait au début, mais nous avons vu qu'à la fin de la saison, il avait un rendement quelconque. Albert nous dit que la communication stéphanoise sur Nkunku a été juste de circonstance, mais c'est seulement un poker menteur, justement. Peut-être une question d'argent. Et puis après, ça a embrayé un peu sur la critique de la cellule de recrutement et sur le terrain, comme a évoqué Sylvain, avec l'outil technologique et toute la communication autour de cela. Il y a Céline qui nous dit que Perrin est surtout incompétent depuis sa prise de fonction. Cela a été un très bon joueur, mais cela ne fait pas un excellent recruteur. Il a accumulé les mauvais choix, pas aidé par l'ami Batles avec sa filière d'ex-Troyens. Donc voilà, c'est un peu tout mélangé, mais je vous donne un peu les avis du chat. Ok. Alors, Joss, tout à l'heure, tu parlais du remplacement de Jean-Philippe Crasso par Ibrahim Sissoko. Au-delà de l'apport d'Ibrahim Sissoko en tant qu'individualité, sur l'animation offensive, est-ce que tu vois Laurent Batless continuer dans un système un petit peu en 3-5-2 comme l'an passé, avec un Wadji qui resterait à sa position et Ibrahim Sissoko qui aurait un peu le même rôle que Crasso, ou est-ce que au contraire tu vois les deux avoir plus une position de neuf plus avancée, comment tu le sens? Est-ce que pour toi Sissoko et Wadji compatibles, et est-ce que Wadji et Sissoko compatibles quelque part? Alors ça va être intéressant justement. C'est une des données, une des questions. Si Sissoko a remplacé Crasso numériquement, mais c'est un profil qui est sensiblement différent. Tout à fait. Par contre, moi je les vois très bien jouer à deux devant avec un Wadji qui est quand même assez mobile et qui tournera probablement autour beaucoup de Sissoko. On a vu déjà un tout petit peu par touche l'apport que peut avoir Sissoko dos au but en enclume. Donc ça va tirer ça un peu plus haut. La vraie question, c'est qui va plutôt du milieu se substituer au travail que pouvait faire Crasso entre les lignes. Donc ça, c'est une vraie question. Selon qui jouera dans ces trois du milieu avec deux demi défensifs relayeurs devant en défense et une pointe plus avancée, qui du coup pourra être Dylan Chambaud, éventuellement Victor Lobry ou Benjamin Bouchoirie s'il reste. Ou s'il joue avec une pointe basse, et moi j'ai plutôt une préférence pour le premier schéma. Mais ça va plus se jouer dans la modification de l'animation offensive des milieux, à mon sens. Ouais. C'est là où on va remplacer Crasso, plus Oui. que par Sissoko. Oui, en ayant des vrais relayeurs qui ont un apport offensif beaucoup plus que ce qu'ont pu faire Mouefek, Bouchouari, Oui, Mondoui, Lobry, tout ça la saison dernière. il faudra créer plus de jeux au milieu, justement parce qu'on aura un mec un peu moins mobile entre les lignes qui n'hésitait pas justement à prendre le ballon un peu plus bas et à créer du jeu. Par contre, on aura, à l'inverse, probablement plus de poids devant, puisque Sissoko, lui, va rester plus devant, à mon sens. Donc ça va être quelque chose d'un peu différent, mais c'est pas pour ça que ça marchera moins bien. Moi, je suis plutôt optimiste là-dessus. Ouais. Il faut trouver la bonne formule au milieu pour que ces deux mecs-là soient souvent en position favorable. Avec Charbonnier en joker de luxe, du coup. Alors moi, Charbonnier, en fait, j'en attends pas grand-chose avant 6 mois, parce que on a beau dire qu'il recourt machin, enfin, Moi aussi, je l'histoire des cours. croisés montre que le mec qui sera à un vrai niveau de performance qui était le sien avant blessure, à mon avis, tard. Donc il va falloir imaginer une première partie de saison sans lui et peut-être une deuxième avec lui, si tant est qu'il revienne bien à son niveau, parce qu'il n'est plus tout jeune non plus. Donc moi j'ai envie de réfléchir sans lui en fait, dans un premier temps. Ouais.
Et se dire que si jamais il arrive à retrouver un niveau et peut-être qu'il me fera mentir qu'il le retrouvera plus vite que prévu, ça sera une arme de plus dans la manche, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai presque envie de pas le compter dans l'équipe type qui va faire le gros de la saison. Ouais, je te rejoins là-dessus. Avant d'évoquer le dossier Soumaré, j'aimerais qu'on revienne sur une autre recrue qu'il y a eu. Ouais. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Josh, je te prends la parole Ouais, une vas-y, pas minute. de souci. Je suis d'accord avec lui sur l'aspect que l'animation au milieu de terrain va changer et va doucement remplacer Crasso. Il faut quand même se dire que Crasso, c'est un profil rare dans le football, dans le sens rare, c'est-à-dire que c'est peu commun d'avoir un Je suis très attaquant comme ça, atypique, ouais. vraiment ouais, entre les lignes, etc. C'est très rare. Et de le remplacer par le même profil, c'était quasiment mission impossible. Donc voilà, on fait le choix d'avoir plutôt deux joueurs vraiment axiaux parce qu'il jouera beaucoup plus haut que Crasso Sissoko, ça c'est une certitude. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que l'animation du milieu de terrain va changer, mais je pense que la clé va surtout se passer sur les deux pistons qui vont devoir être encore davantage performants et jeter des centres. Parce que quand tu as deux joueurs de surface comme Sissoko et Wadji, si tu as la qualité pour jeter des centres, que ce soit ton piston à gauche ou ton piston à droite, tu as matière à marquer beaucoup de buts à mon avis. Ouais. Parce que tu as deux garçons qui sentent, tu as deux garçons qui flairent le but, donc ça peut vraiment être intéressant. Et je pense qu'on néglige l'apport des pistons, et c'est pour ça que j'espère que le remplacement d'Nkunku va être fait de façon judicieuse, parce que je pense que c'est vraiment la clé de cette saison, l'apport de nos pistons. Et d'ailleurs, les choix un petit peu de cafards au sein de cette préparation m'agacent fortement, parce que si ils se contentent de jeter des bons ballons en centrant avec qualité avec les deux qu'il va avoir, ça va marquer beaucoup de buts, je pense. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on part du principe que Batles va rester sur le même schéma tactique. On est d'accord qu'aucun de nous ne voit Batles changer Non, d'animation. mais il changera pas. Il changera pas. Non. Il changera pas. Il l'a fait dans la tourmente sur quelques matchs l'an passé, mais a Et priori, ça il n'a a pas quand même marché. une idée bien définie. Ça n'a pas marché. Sylvain, je reste avec toi du coup sur Dylan Batoubinsika. Et pareil, même question que pour Joss sur Ibrahim Sissoko. Pas spécialement sur l'individualité, parce que j'imagine qu'on est peu à l'avoir vu jouer vraiment pour l'instant. Mais comment tu le vois s'intégrer dans cette défense? Est-ce que tu le Bah vois écoute, déjà déjà. arriver comme un titulaire indiscutable? Est-ce qu'il viendrait prendre l'axe de la défense? Est-ce qu'il irait plutôt sur le côté gauche, sur le côté droit? Est-ce qu'il aura plutôt un rôle de libéro? De relanceur? Tu le vois comment? D'après ce que disent le club, hein, voilà, il est recruté pour jouer axial gauche, à la place de Léo Pétro. Donc ça, c'est la première information qui répond à ta question. La deuxième information, je pense que dans la mesure où tu investis sur un garçon qu'on a payé, hein, on a mis de l'argent, on ne sait Ouais. pas exactement à la somme, mais on a au moins mis 1 million, je pense. À partir du moment où tu vas chercher un mec qui te coûte environ 1 million, j'ai du mal à croire que tu l'utilises simplement comme super sub. Tu vois, que tu l'utilises simplement comme la quatrième ou la cinquième option. À mon avis, il est recruté pour être dans les trois. Voilà. Il est recruté pour être dans les trois. Il a le profil d'un joueur que Batles aime, c'est-à-dire que il a une certaine expérience. Il est francophone en plus, donc ça te permet de gagner du temps par rapport à ça. Donc je vois mal en fait comment il va pas très vite intégrer cette équipe. La question est de savoir avec qui il va intégrer les trois de derrière. Pour moi, le débat il est clairement ouvert. Je lis régulièrement sur les réseaux que Briançon est indiscutable au sein de cette équipe. Moi, je me pose de plus en plus de questions sur ça. J'avoue, Briançon, je me pose des questions pour la première simple et bonne raison que déjà la saison dernière, il a fait 24 matchs sur 38. Donc c'est-à-dire qu'il dispute deux tiers des matchs sur la saison. Donc ça veut dire qu'il y a un tiers des matchs où il n'est pas là déjà. Donc tu joues pas avec ta défense dite type. Première chose. Et deuxième chose. Briançon, il a été performant quand il a eu des mecs qui allaient vite autour de lui. Quand il a eu Seydou Sow, quand il a eu Denis Appiah, quand il l'a remplacé. Voilà. Quand il a joué simplement avec Petro ou avec Nadé ou avec des joueurs comme ça a été compliqué. Voilà. La question que je me pose, c'est aujourd'hui, qui vont être les trois joueurs alignés majoritairement durant la saison? Ce week-end, il jouera Briançon. On va pas se raconter Ouais. des fumisteries. Il Oui, parce jouera ce que week-end au-delà de Briançon. l'aspect sportif, il a ce côté leader de vestiaire, il a ce côté capitaine de l'équipe qui, mine de rien, a un poids malgré les performances sportives en dilettante. Bien sûr,
Bien sûr. Mais il n'empêche qu'il était là quand ça marchait pas, en première partie de saison. C'est vrai. Et en deuxième partie de saison, il a été quand même pas mal absent pour un mec qui était dans une équipe qui marchait, tu vois. Ouais. Donc ça, moi, je me questionne par rapport à lui. Après, on verra, hein, si ça se trouve, ses premiers matchs vont tout de suite mettre les pendules à l'heure. Je ne l'ai pas trouvé rassurant en préparation. Après, c'est des joueurs qui ont des moteurs qui mettent plus de temps à démarrer. Voilà, il a un morphotype plus lent, mais il faudra quand même, à mon avis, qu'il soit assez vite performant parce qu'il y a du monde qui peut l'embêter, qui peut lui prendre sa place malgré son capitanat. Tout à fait. Karl, sur les deux recrues qu'on a évoquées, Sissoko et Batoubine Sika, le chat a des choses à dire. Bah, écoute, concernant Sissoko et le fait qu'il joue plus haut, Axton pointe peut-être le rôle prépondérant que pourrait avoir Lobry pour cette nouvelle saison, en disant qu'est-ce que Lobry pourrait pas être un peu plus à la création comme il l'était à Pau. Il y en a certains qui trouvent que Sissoko et Charbonnier se ressemblent trop, donc un des deux sera sur le banc une fois que Charbot reviendra, il faudra voir s'ils acceptent. Sébastien qui nous dit que ça va permettre à Chambaud et à Lobry de donner des ballons. Il y a Albert qui nous dit Bouchoirie peut-être celui qui peut remplacer Crasso au milieu par sa technique. Fan Santé qui abonde dans le sens de Sylvain en disant que Capero va être excellent avec Wadji et Sissoko dans la surface en termes de ballon centré. Il y a Chris qui nous dit je reste persuadé que Charbonnet marquera des buts en tant que joker. Après tenir 90 minutes, c'est une autre histoire. Céline nous dit Briançon, depuis sa blessure, c'est plus le Briançon qu'on a connu quand il est arrivé. Beaucoup trop lent Briançon pour Axton. Albert nous dit Briançon n'a pas été transcendant pendant les matchs de préparation, mais son côté leader est pour l'instant indispensable. Sébastien qui dit, et Monconduit, justement, lui, a été bon pendant la préparation en défense centrale. Jérémy Magique nous dit Briançon a un mental, trois petits points comparé à d'autres. Il est indiscutable pour lui. Oui. Temilano qui nous dit que Sissot reste et que le nouveau, donc Batoubine Sika, confirme ce qu'il dit de lui, Briançon ne sera pas titulaire. Ouais. Voilà. Donc au final, le débat sur Batoubine Sika, bah, il représente bien ce qu'on sait du joueur, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc effectivement, on est plus obligé d'espérer qu'il prenne la place des maillons, on va dire, un petit peu plus faibles de la charnière de l'an passé. Mais on va vérifier. Jusqu'un, Ouais. pour rebondir sur ce qu'a dit Sylvain, moi je partage complètement son avis sur, enfin en tout cas ses doutes sur Briançon. Et je reviens quand même sur l'expérience Monconduit en défense centrale. Moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Alors à condition qu'il ait deux vrais bons défenseurs de chaque côté. Par contre, je trouve qu'en termes de qualité technique, notamment sur la première relance vis-à-vis de Briançon, c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Ouais, ça va reprendre aussi quelque chose que Romain disait dans le chat. Je trouve qu'il y a finalement pas grand monde dans ces postes-là d'indiscutable. Alors, c'est plutôt bien aussi parce que c'est de nature à créer de l'émulation, ça. À condition que le coach crée les conditions de cette émulation, évidemment. Que s'il commence à placer des mecs incontournables, eh ben, l'émulation, elle va se transformer en frustration. Mais pour le coup, je trouve ça plutôt intéressant. Voilà. D'avoir plusieurs possibilités, d'avoir testé ces possibilités. Et de pouvoir challenger un peu les mecs, y compris un Briançon, Ouais. si ses performances sont pas au rendez-vous. Oui. Et pour rebondir sur ça, pour moi, hein, l'essai moins fait qu'axé à droite, c'est tout sauf une bonne idée. Voilà, je voulais juste Oui. rajouter ça. On perd de sa percussion au milieu de terrain et c'est assez dommage. Je te rejoins là-dessus. Un petit point sur le dossier Soumaré. Qui veut s'en charger? Je peux également, hein. Avec Il n'y a pas de plaisir. souci. Avec Peuple Vert, on a un peu la tête dans ça toute la journée. Dans Alors, Sous-marin? non, dans le mercato, malheureusement. Donc, Soumaré, donc c'est une piste qui a été déjà explorée en janvier dernier, mais qui n'a pas été qui n'a pas été très approfondie. Aujourd'hui, c'est l'une des pistes les plus simples à faire entre guillemets parce que le joueur est très intéressé pour venir. Mais pour le moment, Dijon se montre gourmand. Il demande 1 million pour un joueur qui évolue en National 1, qui n'a pas envie d'être dans leur effectif en National 1 et qui espère très vite retrouver la Ligue 2.
Saint-Etienne s'emballe pas sur ce dossier pour le moment parce que les demandes sont trop importantes pour l'instant. Mais comme l'a justement dit Jos tout à l'heure, le mercato du 1er août n'est sûrement pas le mercato du 27 ou 28 août. Donc voilà. Ok. Brian Soumaré, Jos, t'en penses quoi toi? Potentiellement c'est un joueur du coup qu'on a l'habitude de voir. Hein. C'est pas un petit jeune. On l'a vu quelques saisons en Ligue 1, on l'a vu quelques saisons en Ligue 2. T'en penses quoi de Soumaré? J'en pense que pourquoi pas, mais je pense que c'est pas la priorité du moment à mon sens. Et c'est aussi pour ça que on n'avance pas plus vite là-dessus. Le mercato, enfin, comme disait Sylvain tout à l'heure, j'ai bien aimé le terme, il est cohérent dans le sens où les retouches ont été apportées au bon endroit. Je pense qu'il y a d'autres retouches à apporter avant de prendre Soumaré. Voilà. Ok. Maintenant, si ces retouches-là sont faites et que Soumaré arrive aussi, je pense que c'est bien. Ça apportera toujours par rapport à ce que je disais sur l'émulation, ça apportera quelque chose. Mais voilà. Ouais, ok. M'énerve pas plus que ça là-dessus. On va passer à la suite. On va parler un petit peu du premier match de la saison. Donc, on le rappelle, contre Grenoble. J'affiche le calendrier de la journée 1. Donc, à 15h, ce samedi 5 août. Et messieurs, je vais vous demander on va faire un petit exercice ensemble avec l'effectif, évidemment, tel qu'il est à l'heure actuelle. Je vais vous demander si vous pouvez me donner votre composition idéale pour samedi. Et Joss, bah tiens, je viens vers toi en premier. Alors, vraiment, l'état actuel, hein, moi, je mettrais l'Arseneur, évidemment. Ouais. Alors, je pense qu'il va mettre Briançon dans l'axe, voilà. Mais moi, personnellement, j'aurais peut-être tenté mon conduit, mais il ne va pas le faire. Donc, mettons Briançon. Non, moi, je te demande ton équipe idéale, pas celle de Batles. Alors, moi, je mettrais mon conduit. Allez, je mets ton conduit. Ouais. Après, là, j'ai un souci à gauche parce que je ne sais pas du tout dans quel état de forme est Batsubinsika. Donc, si je prends pas de risque, je mets Petro à gauche et Sau à droite. Ok. Et sur les pistons, toujours pour faire avec les forces du moment, je mettrai Cafaro à gauche et Denis Sapir à droite. Ok. Je jouerai avec deux milieu défensif / relayeur devant la défense qui serait Fomba et Moefek, et je mettrais Lobry un cran plus haut. Ok. Bon, là ils sont tous alignés sur le schéma, mais vous entendez des explications. Voilà, avec quoi. Lobry est un peu plus haut. Et alors, sous réserve de l'état de forme de Sissoko, qu'on n'aura malheureusement pas pu voir contre Montpellier, je démarrerai avec Wadji Sissoko devant. Ok. Très bien. Sylvain, est-ce que tu es d'accord dans l'idée avec cette composition de Joss? J'ajusterai quand même 2-3 points. Ouais. Pour moi, Briançon, il va commencer dans l'axe derrière à la place de mon conduit et Moefek sera pas titulaire selon moi. Je mettrai mon conduit à la place de Moefek. Alors, et Moefek sur le banc. Attends, je me permets de te couper. Encore une fois, je te demande ton équipe type à toi, pas celle que tu imagines que Batles va mettre en place. Ouais, après, mon équipe type à moi, il faut prendre quand même en compte l'état de forme des garçons et le temps de jeu qui leur a été affrété pendant cette préparation. Ouais. La cohérence, elle vient aussi du fait d'analyser ce qui s'est passé avant. Si je te donne mon équipe type à moi, on prend pas en compte l'état de forme, on prend rien en compte et je te dis ce que moi, je l'ignorais comme 11 dans un monde idéal où personne n'est blessé et tout le monde est à 100%. Okay. Or, c'est pas le cas, tu vois ce que je veux dire. Oui, certes. Donc, voilà. Moi, je pense que Cafaro jouera à droite et non pas à Pia. Ok. Mon conduit jouera à la place de Moefek. Ok. Voilà. À gauche, tu mets Pia? Non, à gauche, je mets Aiki et je pense que Sau, il commencera pas. Et alors, à la place de Sau, Pia, du coup? Ok. Après, encore une fois, avoir l'état de forme de Appia, parce qu'il n'a pas joué les derniers matchs, il faut voir ce qu'il en est. Oui, il y a beaucoup d'inconnus. Hein. Ouais. Enfin, oui, bah, il y a beaucoup d'inconnus. On n'a pas grand-chose sur quoi se baser, oui.
Batu Binsika, la question elle va se poser avec Petro quand même, parce que si tu fais pas rentrer Batu Binsika sur ce premier match, il va quand même vite falloir l'intégrer si tu veux qu'il intègre ton 11, parce que si l'équipe elle commence à tourner sans lui, à quel moment tu vas sortir Petro s'il réalise des performances qui sont cohérentes, tu vois. À mon avis, c'est un secret de polichinelle. Batles, il compte pas sur lui et il espère qu'il parte. Donc, est-ce que tu commences avec So derrière? En même temps, je pense que So est plus en forme que Appia à l'instant T, là où on discute, parce qu'Appia, ouais, il a quand même raté ça, plusieurs ça, matchs. Ouais. Voilà. La question de Sissoko, elle se pose aussi. Malgré tout, il a joué 45 minutes, il n'est pas en forme, on le sait. Ouais. Est-ce qu'on l'envoie tout de suite au charbon en se disant il fait une mi-temps, soit une heure, et puis ensuite on verra, est-ce qu'on prend ce risque-là? Ou est-ce qu'on intègre Chambost et on joue Chambost et Wadji un cran plus haut? Il y a plusieurs questions qui peuvent vraiment se poser, et c'est vrai que Fort est celui qui déterminera la composition d'équipe avant qu'elle sorte samedi pour moi, ouais. Sincèrement. Et Joss, ouais, sur la prépa, on a pas mal vu Antoine Gauthier. Antoine Gauthier, toi, tu le vois pas intégrer le 11. On sait que Batles, c'est un joueur qu'il aime beaucoup. Ça te paraît improbable? Tout est possible. Hein. Non, improbable, non. On a vu que c'est un de ceux qui a le plus joué. Après, moi, personnellement, je suis pas sûr que ce soit vraiment une solution fiable en piston gauche. Mais oui, on peut pas écarter l'idée que ce temps de jeu qu'il a eu pendant la phase prépa cache l'idée dans la tête de Batles qui débute à gauche, ouais, c'est possible, c'est possible. Non, moi je peux pas croire ça. Moi je peux pas croire ça. Ouais, mais moi non plus, Sylvain, moi non plus, mais... Quand tu vois les qualités que demande ce rôle de piston gauche en termes de volume, en termes de course, en termes de vitesse, je peux pas croire ça. Ça va que le desservir. Et en plus de ça, il va y avoir les arguments systématiques. Il va faire un bon match, il a pas le niveau, et Rideau, ça va être réglé sur son cap. Ouais, mais Sylvain, là je suis désolé de t'interrompre, mais tu fais un mix un peu paradoxal avec ce que tu as dit avant. C'est-à-dire que tu fais un mix dans ce que tu penses qui va être le cas via la préparation et ce que toi tu penses qu'il devrait faire. Gauthier a plus joué qu'Aiki. Ouais, mais juste parce que Aiki il a raté le dernier match, mais en soi sinon ils ont joué le même nombre de temps. Hein. Et tu compares, ils se sont partagés le temps de jeu. Il était juste absent le dernier match. Enfin, pour moi, aucun des deux n'est une bonne solution, de toute façon. Mais il est possible que ce soit quand même un des deux au regard de la préparation. Oui. Il y a Hervé dans le chat qu'on salue, qui fait partie des chroniqueurs du SNC, qui nous dit « Fais chier, on n'a plus Pintor ». Ouais. C'est vrai qu'il aurait pu occuper cette place de piston gauche. Justement, Karl, dans le chat, les gens, ils ont l'air plutôt confiants pour ce premier match face à Grenoble. Écoute, je vois dépasser des... On va bricoler avec ce qu'on a. Les deux versions présentées sur le 11 de départ sont intéressantes pour Albert. Il y a le débat autour de Appia ou pas Appia. Sébastien qui nous dit Appia a quand même de l'expérience. David qui nous dit « Cafaro à gauche, je le sens pas, il a eu du mal à s'adapter à son poste à droite, c'est pas pour le mettre à gauche. Gauthier est très frêle, je trouve. Gauthier ne m'a pas du tout convaincu en piston gauche, notamment sur les phases défensives où il semble trop faible. Il y en a qui demandaient si Bouchouari pourrait être dans le groupe pour vous. David qui répond que non, parce qu'il est trop juste, il n'a pas fait de prépa. On rappelle juste qu'il est revenu… il est revenu de vacances plus tard, ouais. Et sinon, au niveau des défenses et des compos, parce que j'ai demandé au chat de faire leur compo, ouais. La défense sobrie dans son Petro qui revient quand même assez souvent. C'est Fan Synthé qui l'utilise, Romain qui l'utilise aussi. Il y a Sébastien qui aimerait bien justement voir Mon Conduit en défense, avec une défense saut Mon Conduit Petro, avec sur les côtés Cafaro et Appia, en milieu Fumba, Lobry, Chambo, et en attaque Wadji et Sissoko. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de monde qui veulent voir Batu Binsika. Moi, j'avoue que c'est une recrue dont je suis vraiment, vraiment curieux. Et comme le disait Sylvain tout à l'heure, je pense que ce serait une bonne idée de le lancer directement pour qu'il prenne le plus vite possible sa place. Quoi. Après, je ne suis pas dans la tête du chat, mais je pense qu'ils se disent qu'il justement, il n'a pas participé à la prépa. On ne connaît pas son état physique et c'est peut-être ce qui pousse les gens à ne pas le mettre dans le 11 de départ titulaire. Mais voilà, je ne sais pas, je peux pas vous en dire plus. Voilà, Batu Binsika n'a fait aucun match, par exemple, pour Sébastien. Ouais. Voilà. Eh bien, messieurs, il nous reste 5 minutes avant la fin de l'émission. Il y a plein de points que j'aurais aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, malheureusement. Mais je vous propose qu'on passe à la petite nouveauté de cette saison.
dans le Saint-Etienne Club. On va faire un petit jeu. Alors, je vous explique globalement comment ça va se passer. Le principe de ce jeu va être très simple. Tout au long de la saison, nous ferons s'affronter les chroniqueurs sur des petits jeux afin de marquer des points. Chaque chroniqueur jouera pour l'association de son choix et le chroniqueur qui aura le plus de points à la fin de la saison fera gagner un chèque à l'association qu'il représente. Je ne peux pas vous dire exactement le montant du chèque pour le moment puisqu'il sera basé sur les revenus de la chaîne Twitch et de la chaîne YouTube. Donc si vous voulez faire grossir le cash prize, vous pouvez vous abonner à la chaîne par exemple Twitch ou faire des vues sur YouTube bien sûr. Et on est en train de voir avec un partenaire pour éventuellement débloquer une somme. Mais bref, je ne peux pas vous dire la somme exactement pour l'instant. Mais voilà, chaque chroniqueur a une association et ils vont jouer pour cette association. Et à la fin de la saison, celui qui aura le plus de points permettra de donner ses gains à l'association. Et d'ailleurs, messieurs, je vais vous demander tout de suite pour quelle association vous jouerez. Joss, tu joues pour quel asso, toi, cette année? Alors moi, ça sera pour France Alzheimer, qui est un sujet qui m'a touché de près dans ma famille. Voilà, qui est une association que je pense que tout le monde connaît, qui récolte des fonds pour bon, aider la recherche, évidemment, mais qui travaille beaucoup aussi sur l'accompagnement de l'entourage. Et pour l'avoir traversé, je peux vous dire que c'est un vrai sujet, ça. Donc voilà. Ok, très bien. On va espérer que tu gagnes pour l'association France Alzheimer. J'en profite pour remercier Ro, le patron, qui offre un abonnement à Barça RDZ dans le chat et qui donc participe au cash prize de ce jeu de fin d'émission. Et toi, mon cher Sylvain, pour qui vas-tu jouer cette année? Et ben moi, j'ai joué pour l'association qui est menée par Ayman Mouefek, Al-Wahab. Donc, c'est une association qui effectue essentiellement des actions dans le continent africain, dans des lieux défavorisés, que ce soit la construction de puits, l'aide scolaire, donner de la nourriture à des personnes en difficulté, tout ça. Donc voilà, mon idée, c'était de soutenir ça. Ok, et en plus, c'est... Ça, c'est relié à un joueur de la SSE, donc c'est bien accurate, je fais le connard de, j'ai pas le mot en français, cohérent, merci. Évidemment, les petits jeux, on a plein d'idées de petits jeux, donc on va faire évoluer le format tout au long de la saison, il va falloir qu'on se rôde aussi, voilà. Mais on va commencer avec un format très simple que vous avez déjà probablement vu dans d'autres émissions. Je vais avoir 4 questions pour vous, Joss et Sylvain, ce soir. Donc il y a 4 points qui sont en jeu, 1 point par question. Il va y avoir 2 questions sur deviner un joueur passé par l'AS Saint-Etienne et 2 questions sur retrouver un match un petit peu marquant de l'AS Saint-Etienne. On commence avec une question assez simple, il va falloir deviner donc le nom d'un joueur passé par la SSE avec quelques indices. Quand vous avez la réponse, plutôt que de gueuler la bonne réponse, parce que ça va être le bordel, vous dites votre nom et je vous donne la main. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Oui. Bon, petit test pour voir si vous avez compris. Je suis un joueur qui a fait rêver les supporters, milieu de terrain offensif, international guinéen. J'ai marqué... Joss. Oui, Sylvain? Findouno. Exactement, j'ai marqué le club par mes performances, mais aussi par ma joie de vivre communicative. Surnommé le Zidane Noir, je suis Pascal Feinduno, bien sûr, mon joueur préféré. Et on va passer donc... Mais on dit notre nom d'abord, hein, c'est ça ? Oui, vous dites d'abord votre nom, et une fois que vous avez dit votre nom, je vous donne la main, et là, vous donnez la bonne réponse, parce que... Parce que Sylvain, il commence à tricher, il n'a pas dit son nom. Si, il a dit Sylvain. Bien sûr, je l'ai dit. Alzheimer, ça commence plutôt qu'on croit. Personne ne l'a entendu, hein. Si, moi je l'ai entendu, mon Joss, je suis désolé. Ouais, allez, on commence avec la première question, il nous reste 2 minutes. Je suis un joueur passé par l'ASSE à partir de 2006. J'ai commencé ma carrière professionnelle à Lille. Au-delà de ma crête de cheveux très marquante de la fin des années 2000... Joss. Landrin. Christophe Landrin, bien joué. Ça fait 1 point pour Joss. Je vous laisse... Karl, tu notes les scores? Oui, bien sûr. Merci à toi.
Et merci à Jiré Magic qui a offert un abonnement au patron et qui participe donc à la cagnotte de ce jeu. Effectivement, Christophe Landrin, j'ai marqué un but extraordinaire contre Valenciennes qui a été l'un des plus beaux buts de la saison, derrière évidemment celui d'Ilan contre le PSG. J'ai un lien extra-sportif et sportif avec le joueur cité en exemple. Je quitte le club en 2011, je suis Christophe Landrin. Deuxième joueur à deviner, attention, c'est parti. Je suis, là c'est plus compliqué, je suis un milieu de terrain offensif de 1m76 pour 75 kg. Qui suis-je? Ok, c'était une blague. Je suis un milieu de terrain offensif de 1m76 pour 75 kg. J'ai une carrière de globe-trotteur puisque je suis passé par 10 clubs différents. Je commence ma carrière pro à Saint-Étienne entre 1996 et 1998 et je ferai un retour pendant une saison au club en 2007-2008. International camerounais, je compte 17 sélections avec les Lions Indomptables. Ma carrière se situe principalement au Portugal où je suis notamment finaliste de la Coupe UEFA en 2005 avec le Sporting. Mon nom de famille a la particularité d'être le même nom que le nom d'une ville de mon pays d'origine. Je suis... Sylvain. Sylvain. Rudolf Douala. Rudolf Douala. Et là, je te tire mon chapeau et j'applaudis dès demain. J'applaudirai des quatre mains si j'en avais quatre. Parce que, à titre perso, je ne me souvenais même pas de Rudolf Douala. Je vois que dans le chat, ça l'avait aussi. Ça fait donc un partout entre Joss et Sylvain. Bien joué, messieurs. On enchaîne parce qu'on est déjà un petit peu en retard. On passe maintenant à un autre type de question où vous devrez deviner un match marquant de la SSE en me citant l'adversaire des Verts ce soir-là. On cherche un match qui a été entraîné par Laurent Rousset. Un match marqué par le premier but de la saison d'un joueur qui, paraît-il, me ressemble. Une frappe énorme à l'entrée de la surface à la 94e minute. C'est d'ailleurs le seul but de la rencontre puisque le match se termine sur le score de 1-0. C'est un match qui a eu lieu pendant la saison 2007-2008. On cherche l'adversaire de l'AS Saint-Étienne. Sylvain. Sylvain. Marseille. Dernis. C'était Marseille, effectivement, avec un but de Dernis à la 94e minute. Là aussi, je vous avoue que quand j'ai préparé l'émission de ce soir, autant j'ai plutôt une bonne mémoire, autant je ne me souvenais plus de ce match. Bien joué, Sylvain. Dernière Admérite, question. J'étais au stade. De quoi? Admérite, j'étais au stade ce jour-là, donc j'ai t'étais pas de mérite de l'avoir. Ça aide. C'est vrai que les matchs où on est au stade, on s'en souvient bien. Un des matchs qui m'a marqué était le ASSE Sedan en Ligue 2. Alors que c'était un match de merde, mais juste c'était mon premier match au stade. Donc évidemment, ça marque. On termine avec la dernière question sur un match qui là est plus facile à trouver. On parle d'un match de la saison 2012-2013. Un match qui se termine sur le score de 0-0. Donc je ne vais pas pouvoir vous aider avec les buteurs. Mais un match qui se termine au tir au but puisqu'il s'agit d'un match de coupe. C'est un match qui a été remporté donc au tir au but devant un parcage vide puisque le stade était en travaux. Joss. Joss. Lille. Sylvain. Lille. Effectivement, on parlait bien évidemment de ce match de Coupe de la Ligue où on remporte le match au tir au but, la demi-finale qui nous qualifie pour aller affronter Rennes en finale et qui nous fait remporter notre dernier titre en date en 2013 avec le but de Brendao en finale. Tout le monde s'en souvient, évidemment. Bien joué, Joss. Et donc, on termine sur un magnifique score de 2 partout. Bien joué, messieurs. Et donc, je rappelle, à la fin de la saison, le chroniqueur qui aura le plus de points fera gagner son association, donc France Alzheimer pour Joss, ou tu peux me rappeler Al-Wab. Le nom Al-Wab, je sais pas si je le prononce bien, mais l'association de Aymen ou Mouefek pour Sylvain. Et ben voilà, il est 22h03, on est déjà à la bourre. Merci messieurs, j'espère que cette émission de reprise vous a plu. Merci à vous qui étiez présents dans le chat, merci à vous qui nous avez écoutés en replay, merci Karl d'exister. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour débriefer le premier match de la saison contre Grenoble. Allez les Verts!
Allez les verts. Bonsoir à tous et bonne saison à tout le monde. Un dernier mot, Karl. Allez les verts. Magnifique. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Salut, bye.